exclusively, but largely on female entrepreneurship in the IT sector. And they are currently advertising for applicants to their program. And it's a full 9 months that's fully paid for. And Ariel's interest is to get, and Ariel's going to say, oh, you said everything that you wanted to say, which was a deal of France as well. And Ariel is just still looking for more applicants, and there's a specific interest in not only attracting female applicants, but applicants from all around the country. And at the current time, the region which is least represented is Northwest Africa. And I know there are some NGOs in the room from the Northwest Africa, or who have work in the Northwest Africa. So listen very carefully. History. Thank you. Bonsoir à tous et à toutes. Bon mois de la femme, parce que les femmes sont dans la salle. Je me nomme Ariel Pitio, fondatrice de Kaïti. Et très rapidement, je suis vraiment ravie d'être là. Et merci pour l'opportunité qu'on me donnait de présenter le projet qui s'appelle Tech Manufacturing. Donc, je vais commencer par dire que les compétences numériques sont universelles, elles sont transversales et puis elles poussent l'emploi à l'égalité. Donc, le programme Tech Manufacturing vise à donner des compétences numériques aux femmes en particulier, aux jeunes de manière générale, afin de booster leur employabilité dans les différents secteurs économiques de croissance. Dans l'idée de sélectionner des femmes âgées de 18 à 35 ans, qui sont dans les secteurs de l'agriculture, de la pisciculture, de la mode, du design, dans n'importe quel domaine, et qui veulent acquérir des compétences supplémentaires pour pouvoir booster leurs activités, pour pouvoir créer de l'emploi, mais pour pouvoir trouver de meilleurs emplois. Parce qu'on le sait aujourd'hui, les entreprises dans le outsourcing regardent beaucoup l'Afrique subsaharienne et le Cameroun en particulier. Donc le programme offre trois parcours qui sont data science, donc la science des données, intelligence artificielle, etc., art numérique et également développement d'applications web. Et puis un tronc commun qui va porter sur l'entrepreneuriat, l'éducation financière et puis les soft skills. Donc aujourd'hui, nous avons reçu environ 600 candidatures des 10 régions du Cameroun, avec des concentrations dans les régions du centre, du littoral, de l'extrême nord et de l'ouest. On a moins de 5% aujourd'hui des candidatures qui sont du nord-ouest et du sud-ouest. Et puis, une statistique très intéressante qui montre la plus-value et le bien fondé du projet, c'est que plus de 62% sur les 600 qui ont postulé ont au moins une licence, mais n'ont pas d'emploi. Donc c'est très important donc, de pouvoir donc, travailler à leur donner des compétences pratiques, compétitives, transversales et universelles qui vont booster leur employabilité. Et 30% de ceux qu'on va former seront automatiquement envoyés dans une coopérative à la fin qui va vendre et offrir des services de créativité numérique à d'autres ONG et d'autres organisations. Donc aujourd'hui, on invite tous ceux qui ont des frères ou des sœurs âgés entre 18 et 35 ans, qui ont au moins un baccalauréat, qui ont peut-être une qualification professionnelle dans n'importe quel domaine, j'insiste, n'importe quel domaine, à vraiment venir postuler, candidater. Il y a 179 places de bourse entièrement financées par Affaires mondiales Canada, et puis on a la plus technique de plusieurs internationales qui nous ont accompagnés dans ce projet-là. Donc je vous invite vraiment à partager l'information. Et c'est techmanufacturing.com pour pouvoir donc donner l'opportunité à nos sœurs d'avoir plus de compétences, d'être beaucoup plus rentable pour un meilleur travail. Merci. Merci. Merci.